Fall River était un endroit hostile. Il y avait énormément de prostituées dans les rues de Fall River à l'époque, et même des embouteillages le vendredi et le samedi soir. Doreen avait 17 ans. Elle aurait dû être au lycée, pas dans la rue. La violence de son meurtre fait froid dans le dos. Son visage était caché. Elle était complètement nue. Elle se prostituait à Fall River. L'enquête s'est orientée dans cette direction. C'est apparemment à ce moment-là qu'elle a croisé Carl Drew. Carl Drew était connu pour être présent dans la rue au quotidien. C'était un mac. J'avais la réputation de quelqu'un qui n'aimait pas qu'on mette le nez dans ses affaires. Il droguait ses filles. Carl Drew, est-ce qu'il me connaissait? Non. Est-ce que je savais qui il était? Oui. Carl Drew se servait du satanisme pour contrôler les femmes. I brought her in a room, and they tied her up, and they dripped blood all over her. I said that big cross is hung from the ceiling upside down and everything. Karen était très en colère contre Carl Drew. Elle l'appelait le diable et disait qu'il allait la tuer. Les policiers sont venus chez ma mère et m'ont interrogée suite à la disparition de Karen. À ce moment-là, on savait que c'était sûrement plus grave que ça. Robin s'est retrouvée prise dans tout ça. Robin n'avait que 17 ans à l'époque. Elle a été inculpée pour meurtre et a témoigné contre les autres. It has also been revealed that her murder was a ritualistic killing tied to a satanic cult that exists among prostitutes and pimps in Fall River. Robin a dit que Carl Drew, le fils de Satan, leur avait dit qu'ils devaient participer parce qu'ils offraient son âme au diable. Les chiens policiers cherchaient des traces de sang là où elle avait été tuée, là où on lui avait tranché la gorge. L'une de mes plus grandes peurs était d'être condamné à perpétuité pour un crime que je n'avais pas commis. Carl Drew n'a rien à voir avec ces meurtres. Tout le monde le sait. Tout le monde. Ils sont venus chez moi et m'ont dit que j'étais en état d'arrestation pour violation de liberté conditionnelle, pour localisation inconnue. Ils ne m'ont même pas passé les menottes. Ils m'ont fait descendre les escaliers devant eux. Je savais qu'il se passait quelque chose. À l'époque, il fallait attendre 15 jours avant d'avoir une audience pour violation de liberté conditionnelle. Et le 15e jour, ils m'ont dit que j'allais au tribunal. Grand jury murder indictments were handed down today for the death of 20-year-old Karen Marsden. Et d'un coup, je me suis retrouvé accusé de meurtre. Bonjour, ceci est un appel en PCV de la part de Carl Drew. Un détenu de l'établissement pénitentiaire du Massachusetts. On m'a arrêté quand j'avais 26 ans. J'étais sous le choc. J'essayais de comprendre tout ce qui se passait.
À cette époque, je croyais en la justice. Je me disais que c'était impossible que je sois reconnu coupable. Carl Drew a d'abord été accusé de deux meurtres, ceux de Doreen Levesque et de Karen Marsden. Mais l'accusation a finalement décidé de ne faire un procès que pour une seule affaire, celle du meurtre de Karen Marsden. Les enquêteurs et l'accusation n'avaient pas grand-chose dans cette affaire. Ils avaient une série de meurtres, mais ils n'avaient aucune preuve scientifique qui faisait le lien entre Karl Drew et l'un de ces meurtres. Il y avait tellement peu d'éléments dans l'affaire Levesque qu'ils ont préféré s'en servir de preuve contre lui plutôt que d'entamer un procès au risque qu'il soit acquitté dans cette affaire. Ils m'ont jugé pour l'affaire Karen Marsden. Ils se sont servis de l'affaire Levesque en disant que c'était mon mobile dans le meurtre de Karen Marsden. Ils disaient que si j'avais tué Karen Marsden, c'était parce qu'elle m'avait vu tuer Doreen Levesque. Malheureusement, il existe cette doctrine des antécédents qui permet d'utiliser de mauvaises actions précédentes comme preuve, simplement parce qu'elles peuvent constituer un mobile ou qu'elles peuvent justifier le déroulement des choses, même s'il n'y a pas eu de procès concernant ces actions précédentes. L'idée, c'était que Doreen avait été tuée parce qu'elle ne voulait pas travailler pour Karl Drew. Et personne ne dit non à Karl Drew. Doreen Levesque était une fille bien, et on n'aurait pas dit qu'elle était mineure. Mais j'ai appris qu'elle n'avait que 17 ans, donc je voulais rien avoir à faire avec elle. Ce n'est pas vrai. Il connaissait Doreen, elle travaillait dans la rue et il l'avait intimidée pour qu'elle arrête. On a parlé avec tellement de jeunes femmes dans la rue. On avait de très bonnes informatrices. Alan Sylvia m'a chopé au commissariat et il m'a demandé si j'avais quelque chose sur Doreen Levesque et tout le reste. Au début, je ne savais même pas de qui il parlait. J'ai interrogé Karl Drew pendant très longtemps. Mais ce n'était pas quelqu'un avec qui on allait parler dans la rue. La nuit où elle a été tuée, j'étais au mariage de ma belle-mère. C'était un mariage homosexuel. Et j'étais présent à ce mariage. Il y a des photos qui montrent que j'y étais. Il y a beaucoup d'éléments qui confirmaient l'histoire de Karl sur son innocence et qui n'ont pas été présentés ou qui ont été étouffés au procès. L'avocat qui défendait Karl à ce moment était vraiment inexpérimenté. John Burkness était chargé de défendre Karl au procès. C'était un homme bien, mais on n'aurait pas dû lui confier cette affaire. Je me disais que tout irait bien, parce que je savais que je n'avais pas commis ce crime. Mais pendant le procès, je voyais que ce type était vraiment nul. Je ne savais ni lire ni écrire à l'époque. J'ai pas reçu d'éducation classique, et quand je suis sorti de l'école, tout ce que je pouvais écrire, c'était mon nom, et ça s'arrête là. John Burkness n'avait jamais travaillé sur une affaire de meurtre. Et après l'affaire de Karl, il n'a jamais retravaillé sur un autre meurtre. Donc, en gros, dès le début, on ne lui a laissé aucune chance. Quatre personnes ont prétendu avoir été témoins du meurtre de Karen Marsden. Robin Murphy, Carol Fletcher, Willie Smith et Carl Davis. Les deux hommes ont été accusés et on a offert un accord d'immunité aux femmes pour qu'elles témoignent contre les hommes. Ils se connaissaient tous, ils travaillaient tous dans la rue. Carl Davis avait la réputation d'être un vrai connard, un enfoiré, un toxico et tout ça. Je l'ai rencontré dans la rue et je le croisais dans les bars, mais on n'a jamais traîné ensemble. William Smith, je ne l'ai jamais rencontré ce mec-là. Il m'a contacté pour me demander ce qui se passait. Je lui ai dit que j'en avais aucune idée et qu'on s'était fait piéger tous les deux.
Robin et Carol Fletcher. Elles étaient les témoins sur les lieux. L'accusation n'a pas eu de mal à trouver un arrangement avec Carol Fletcher. Parce qu'elle était là, elle a vu ce qui s'est passé, mais elle n'a pas participé au meurtre en lui-même. C'était une de ces filles qui traînent au comptoir, un pilier de bar. Elle faisait des passes pour se payer des bières, ce genre de trucs. C'était un peu plus compliqué avec Robin. La première fois qu'on a entendu parler de Robin Murphy, c'était par la police. Et c'était une toute autre personne qu'ils ont présentée au tribunal quelques mois plus tard. Elle est arrivée avec son petit col Claudine et une croix dorée autour du cou. On lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Robin avait l'air d'une fille ordinaire quand elle était apprêtée. Donc c'était dans l'intérêt de l'accusation de la faire passer devant un jury. Le bureau du procureur lui a offert un arrangement pour son témoignage clé. On l'accusait d'homicide volontaire. Au Massachusetts, pour les homicides volontaires, on peut demander une libération conditionnelle. Pour les meurtres avec préméditation, ce n'est pas possible. So if you could stand, Ms. Murphy, as well as anyone here in the room who is here to give testimony, stand and raise your right hand. I pled guilty in 1981 to the offense on advice of counsel. I gave testimony to the effect that I was present during her murder. I gave elaborate testimony to that effect. Robin Murphy et Karen Marsden ont été localisés au domicile de la famille d'accueil de l'enfant de Karen Marsden. Il était entre 19h45 et 20h30. Robin Murphy est arrivé chez elle à Fall River juste avant 22h. Ce qui laisse moins de 2 heures de temps. Il semblerait qu'elles aient fait du stop jusqu'au centre de Fall River, ce qui a dû leur prendre au moins 20 minutes. Elles ont reçu des menaces de la part de Carl et d'autres personnes qui étaient apparemment impliquées dans le meurtre. Ils ont roulé une demi-heure de Fall River pour arriver à ces bois. C'est là qu'ils l'ont sorti de la voiture, ils lui ont arraché les cheveux, qui l'ont frappé au visage et qui lui ont arraché tous ses vêtements. C'est Robin Murphy qui a tué Karen Marsden. Mais elle dit qu'elle l'a fait parce que Carl Drew, qui était présent, lui a demandé de le faire et qu'elle avait eu peur pour sa vie. Elle a certainement dit la vérité quand elle pouvait. Mais si ça ne convenait pas, alors elle mentait. Je pense qu'il faut bien comprendre qu'elle était sur les lieux et qu'elle en sait bien plus que ce qu'elle raconte. Parce que les avocats posent des questions bien spécifiques pour obtenir les informations qu'ils veulent. Ça ne veut pas dire que ça reflète ce qui s'est vraiment passé. Ils ont roulé une demi-heure de Fall River pour arriver à ces bois. Aller-retour. Et ils ont passé entre 60 et 90 minutes pour faire ce meurtre rituel. Ensuite, ils prétendent avoir brûlé le corps, ce qui a pris assez longtemps. Donc, ça nous donne 3 ou 4 heures d'activité, ce qui était impossible à faire en 2 heures. Est-ce que je pense qu'elle a menti ? Oui. Ils disent que c'est moi qui ai fait ça. Que j'ai décapité cette pauvre fille. L'histoire la plus facile à retenir, c'est la vérité.
Quand vous inventez une histoire, vous n'avez aucun souvenir auquel vous raccrochez pour la raconter à nouveau. Si votre première histoire est inventée, chaque fois que vous allez la raconter, vous direz autre chose. Chaque fois que Robin racontait l'histoire, il y avait de petites différences, des éléments de l'histoire qui changeaient. Ça rendait l'enquête encore plus compliquée. Et ça aurait pu poser un énorme problème pour l'accusation. C'est comme ça que Carol est vraiment devenue un élément si important dans cette affaire. Carol était une amie de Robin Murphy et de Karen. C'était aussi une prostituée. On lui a parlé plusieurs fois. Et elle a fini par admettre qu'elle était sur les lieux. Ils avaient utilisé sa voiture de location pour emmener Karen à Westport. Elle nous a raconté toute l'histoire. Il n'y a pas eu de contre-interrogatoire comme on pourrait l'attendre d'un véritable avocat. C'est une affaire de meurtre. On a mis la main sur la voiture de location que conduisait Carol avec le groupe cette nuit-là. Le laboratoire de la police l'a examinée à la recherche de sang. Ils n'ont pas trouvé la moindre trace. L'alibi de Carl, c'est qu'il était dans un certain bar et qu'il avait discuté avec un certain barman qu'il connaissait bien et avec plusieurs de ses associés qui étaient présents ce soir-là. Plusieurs personnes pouvaient confirmer cela. Le 8 février, c'était un vendredi. Et le vendredi, c'est une des soirées les plus animées. On était sur le quai. L'avocat a embauché un enquêteur et l'a chargé d'aller trouver les témoins de l'alibi pour les interroger. Et on a découvert que Burkness n'était pas resté en contact avec l'enquêteur jusqu'à ce qu'il fasse le point avec lui un an plus tard. Et quand il a voulu faire le point, il s'est rendu compte que l'enquêteur était mort. Donc, il en a embauché un autre pour aller demander aux témoins, « Vous vous souvenez, il y a un an, quand Carl Drew était avec vous, entre telle heure, la nuit du meurtre ?» Bonne chance avec ça. Je crois qu'un des éléments qui aurait pu s'ajouter aux preuves à l'époque, c'est que Karen Marsden portait une bague. Et une fille, Leah Johnson, avait reçu la bague de la part de Carl Drew. Leah Johnson était la petite amie de Carl Drew. Et elle avait des affaires qui appartenaient à Karen Marsden. Au moins une bague, ça c'est sûr. Et elle l'a reçue le même jour, ou plutôt le lendemain de la mort de Karen. Elle a apporté la bague à la police et elle a dit « Carl Drew m'a donné cette bague, je pense qu'elle est à Karen ». Et la mère de Karen est passée à la barre et elle a confirmé que c'était la bague de sa fille. Comment Carl a-t-il eu cette bague si Karen la portait le soir où elle a été tuée? La bague indique que Carl était sur les lieux du meurtre. C'est plutôt fiable. Si c'est vrai, bien sûr. Leah Johnson a aussi prétendu avoir entendu des confessions, selon lesquelles Carl Drew aurait décrit un rêve qu'il avait fait et dans lequel il y avait un meurtre où la victime était tuée dans les bois selon un rituel satanique. Mais ce n'était qu'un rêve.
Mais aucune de ces histoires de rituels sataniques n'avait un lien avec le meurtre de Karen Marsden. C'était pour attirer l'attention. Il y a une tendance de longue date, depuis des générations, à s'affoler sur le fait que la morale est en perdition. I'd like to begin with a fact, a simple yet shocking fact, that a moral decay is spreading through our country. Le monde court droit à sa perte. And they say that we have a moral decline and that the families are breaking up and there's a drug plague. And we're going to lose. Cette panique satanique s'est étendue sur une période qui a duré des années 1980 jusqu'à 1995. Il y a eu une panique morale qui s'est répandue à travers tous les États-Unis et on cherchait le mal absolument partout. Alpine police say five young Alpine men are accused of conducting satanic rituals. Friday morning, we had a call at the Catholic Church. When I arrived, I noticed two pentagrams and an inverted cross. Les puritains croyaient réellement en un Satan physique qui s'en prenait au corps des personnes. Mais ce Satan s'est évaporé pendant 200 ans et il réapparaît dans les années 80. Police take away boxes full of bones and satanic paraphernalia. L'origine de cette panique satanique remonte au milieu du XXe siècle. C'était à l'époque où on était en confrontation avec l'Union soviétique. In this cold war, perhaps even more than in a normal war, understanding the communist enemy is terribly important. They're traitors to America. Why don't we do something about it? They are enemies. They are not. Un moyen pour les États-Unis de montrer leur supériorité au niveau de la morale, c'était de s'aligner sur Dieu. Our Constitution was written by men who put their trust in God. Nous, les chrétiens, contre tous les autres qui ne croient pas en Dieu et qui représentent le mal. Donc, l'URSS est devenue satanique. Et on a commencé à intégrer la devise « Nous avons confiance en Dieu » dans les discussions au niveau national. Des télé-évangélistes entraient et sortaient de la Maison-Blanche comme s'ils étaient chez eux. Quand vous avez une culture qui est faite pour croire en ces choses-là, il suffit d'une étincelle pour déclencher une panique. En 1980, un livre intitulé « Michelle Remembers » est sorti. C'était un livre sur une femme qui apparemment avait des souvenirs refoulés de son enfance et des abus rituels sataniques qu'elle avait vécus. Et tout était ressorti grâce à son psychiatre. Et ils ont publié ce livre ensemble. Durant plusieurs mois, Pazder a hypnotisé Michelle. I'm going to count backwards from 10 and to 1. Il l'a très fortement encouragée à retrouver des souvenirs d'elle ayant subi des abus rituels sataniques de la part de sa mère et d'un groupe d'adeptes de Satan locaux. La Vierge Marie lui est littéralement apparue et a encouragé Michelle à entamer une démarche pour avertir les gens que Satan arrivait et que tout le monde courait un grave danger. Ce livre a engendré 15 ans de peur, de paranoïa, de panique et de vie détruite à travers tous les États-Unis. Whether a Satan exists is a matter of belief, but we are certain that Satanism exists. To some, it's a religion. To others, it's the practice of evil in the devil's name. It exists and it's flourishing. What Ruth saw when she followed them inside would later be locked away to reappear only for a psychiatrist during a hypnosis session.
Dans le milieu des années 80, il y a réellement des gens qui se disent « Satan contrôle les gens » et il vient chercher nos enfants et il est au sein de notre administration et peut-être aussi dans la police. Ruth tells of a room with an altar, a table with a black cloth on it and a big book and lots of candles. On the table is her daughter, who's being sexually fondled by most of the men. My mother keeps her door locked during the daytime, and she used to then do that. And most people's just, you know, taking precautions. C'est comme tout. Dès qu'on en parle dans les médias, vous recevez des centaines d'appels. Detective Alan Alves of the Freetown Police is an expert on satanic cults. Certains n'ont rien à voir, d'autres s'avèrent factuels quand on s'y intéresse. Other parts of the country is human sacrifice. We don't want to see any of that. Notre enquête est remontée très loin, même jusqu'à des personnes du gouvernement. Si des policiers, des avocats et même des professionnels de la santé mentale adhèrent à ces histoires, c'est parce que quand vous êtes une de ces personnes qui éprouve une forme de panique morale au sujet du diable, vous allez voir des signes que vous allez interpréter comme des avertissements de la présence du mal. The question is there a well-organized plot, an insidious design right now to program and influence the minds of our children towards the occult and witchcraft? Yes, there's a vast movement toward the occult within the cartoon and toy industry. 80% of all cartoons deal directly with the occult. Les Schtroumpfs représentaient des personnes mortes en animation. My Little Pony était satanique. Blondine au pays de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel était un symbole du nouvel ordre mondial et elle avait un pentagramme inversé sur le visage. So if the cartoon says that a character has occult powers, then when the child plays with a toy, he is going to use that toy to cast spells or do whatever the toy does in the cartoon. And they imagine themselves with these occult powers. Il y avait plein de poupées avec les yeux arrachés. C'est normal parce qu'ils donnaient des médicaments aux enfants quand ils les embêtaient. C'est très pratique de stigmatiser quelqu'un d'autre. Si je ne suis pas d'accord avec toi, c'est une chose. Mais si tu es avec le diable, si tu es démoniaque, si tu incarnes le mal, eh bien là, c'est complètement différent. That is what $10,000 worth of burning records looks like. The Bible says what the standard should be for morality for a young person or for any person, and the rock groups go against what the Bible say. Donnez-moi une seule de ces histoires sataniques pour laquelle vous pouvez dire il y a des preuves. Il n'y a aucune preuve. C'est juste ce que les gens croient à un moment donné. There are some very obvious ritualistic markings that will appear on a body that is the result of satanic killings. There's oftentimes a cut that goes from behind the ear all the way down to the throat. Another thing that is oftentimes done in ritualistic homicides is a penis is placed inside the mouth of the deceased person. Je crois que tout le monde a commencé à se rendre compte que tout ça n'avait aucun sens. The case appeared to crumble and the charges against all the men were dropped. Beaucoup de ces faits ont été déformés? Non, pas du tout. Ils n'étaient pas déformés. Ils étaient broyés. Je ne dis pas que personne n'a jamais commis un acte haineux au nom du diable, par croyance en Satan. Mais dans l'ensemble, sur fond de cette peur panique du satanisme, presque toutes les accusations concernant des faits qui venaient soi-disant de Satan, elles ont toutes disparu, elles se sont désagrégées, elles ne reposaient sur rien. Donc vous dites que le satanisme n'a pas été discrédité, il a juste été supprimé. Oui. Par le gouvernement? Oui. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes importantes sont impliquées. Je ne veux pas avoir l'air d'un théoricien du complot. Mais beaucoup de personnes importantes étaient impliquées, vous savez. Et aujourd'hui encore. Q is about getting to the truth.
by educating people about the truth, about what's really going on. They take children and they sacrifice these children. That's where we are at. It's part of Satanism. Cette peur panique du satanisme existe encore aujourd'hui. Pour QAnon, il y a un grand complot satanique de pédophiles démocrates qui cherchent à contrôler le monde. Ça, c'est vraiment de la pure panique satanique. My fellow Americans, I stand here with all that feel as I do, disgusted with this lie that Biden has been chosen. This is now our greatest fight since the Civil War. The battle of righteousness versus Satan. Yes, Satan. Because these leftists are evil. Ce sont des docteurs, des avocats, des policiers, etc., qui agressent sexuellement des enfants. Ils ont tout étouffé. Qui ils? Le ministère de la Justice. C'est donc une dissimulation généralisée pour faire disparaître ce qui se passe réellement. Ouais. Les gens romancent cette affaire. Ils s'imaginent ça comme un rituel perpétué par des adorateurs du culte satanique dans la forêt de Freetown, qui tuent des bébés, des chats, des chiens, des moutons et tout ce que vous voulez, et qu'ils ont des autels cachés au fond des bois. Mais cette affaire n'a rien à voir avec ça. Quand on voit ce qui a été présenté comme preuve à propos du culte satanique, c'est pas sérieux. Ça n'avait rien à faire là. C'était un ramassis de conneries. J'ai pas grandi dans une famille religieuse. J'ai jamais étudié la religion. Ma religion à l'époque, c'était les femmes. J'adorais être entouré de femmes. Je ne dis pas forcément que Karl Drew a participé à ces meurtres. Mais je pense qu'on ne peut pas contrôler des femmes au point où il l'a fait sans recourir à la peur ou à la violence. Les jurés ne sont pas sortis très longtemps. Et j'ai vite été appelé pour me présenter face à eux. Ils ont dit « coupable de meurtre avec préméditation ». J'ai reçu le choc de ma vie. Karl Drew a été condamné à passer toute sa vie en prison. J'étais mort de trouille. Surtout quand ils sont revenus pour dire que j'étais coupable. Je me suis dit, c'est une blague. Après le procès de Karl, les autres personnes qui étaient accusées pour les mêmes événements ont vu leurs accusations rejetées. Si la peine de mort existait au Massachusetts, elle aurait pu être appliquée dans cette affaire. C'est sûr. En fait, la peine de mort avait été supprimée juste avant. Donc, si le Massachusetts fonctionnait différemment, Karl Drew serait mort alors qu'il est. Karl est en prison pour une affaire, celle de Karen Marsden. L'affaire Doreen Levesque n'est pas close. Elle n'est pas résolue. I'm Paul Carey. I'm going to tell you I'm not writing a book, and I'm not making money on what I'm doing. I'm doing it because I believe it to be the truth. Je connaissais Paul Carey. C'était un inspecteur de police à la retraite. C'était un ami de mon père. On était très proches avec Paul Carey. On a travaillé ensemble pendant environ 6 ans sur les 19 que j'ai passé à la brigade criminelle. Il a participé à l'enquête depuis le début, avec l'inspecteur Joachim et moi. Alan et moi, on travaillait de nuit, et Paul Carey est arrivé, et il a commencé à faire des nuits avec nous. Nobody worked the case except me and Alan and Tommy Joaquin. Quand j'avais 18 ou 19 ans, Paul Carey est venu nous voir et nous a dit qu'il venait de prendre sa retraite. Il parlait de donner des cours à temps partiel dans des universités du coin juste pour rester actif, parce qu'il ne voulait pas rester chez lui et ne rien faire. Il allait devenir détective privé.
Je faisais des études à l'époque. Et il est venu avec deux caisses remplies de documents du procès. Il m'a dit, jette un œil à tout ça, dis-moi ce que tu en penses. Juste pour ton info, tout ça, c'était mes affaires. J'étais l'inspecteur en charge de l'équipe à l'époque. Et je veux savoir ce qui s'est passé. That's what I'm trying to do. I'm trying to get the wheels of justice to move, and it's so hard to do under the circumstances because so much grass is growing underneath. Il a déposé 4 ou 5 caisses de plus remplies de carnets de bord qui racontaient ce qui se passait jour après jour. J'ai commencé le tout premier jour quand le corps de Doreen Levesque a été découvert. Et je suis allé jusqu'au jour où ils ont arrêté Carl Drew. I remember being one of the persons at the scene of the Levesque murder. And she had like a mark inside of her ear that was like a looked like almost like a knife or a ice pick or something. And there was a mark inside her ear. It was fresh. And her anal area was extremely wide open. You know, so I mean, of course, I'm not a doctor and I don't know what that means. On n'était pas tranquillement assis en train de regarder la télé. On parlait de choses graves, là. Et il me dit, maintenant je suis à la retraite, mais c'était ma mission pendant des années. Je sais que cet homme est innocent, et je n'ai pas pu le prouver pendant que j'étais dans la police. If Drew was to get out tomorrow, I might have one beer with him, but I don't want to be his buddy. See, the bottom line is, he didn't commit the murder, see? Paul m'a dit qu'il allait rendre visite à Carl en prison assez souvent. Ça m'a fait un choc. Jusqu'au jour de sa mort, Paul a toujours cru en mon innocence. Il voulait parler au procureur à cette époque. Il m'a demandé de parler avec le procureur du fait que Carl Drew était innocent. J'ai trouvé tout ça très bizarre. Alan was his own best friend, right? Three people in Alan's life. I, me, and him. It's all him. He's an eye person, eh? He's an eye person. I'm surprised he doesn't have a sore back from patting himself all the time, you know? I could tell him I said so. Il me dit, j'aimerais retrouver tous ceux du procès pour avoir la vérité. S'ils continuent tous à affirmer qu'ils ont dit la vérité au procès et qu'il est coupable, très bien. Et il m'a demandé si je pouvais l'aider. Il m'a dit, tu es doué avec les ordinateurs, voici une liste de personnes, est-ce que tu peux les trouver? Paul a entamé une recherche de 6 ans pour trouver Carol Fletcher et Leah Johnson. Elles n'ont pas été faciles à retrouver. On a d'abord localisé Leah Johnson. Elle était en prison pour une affaire de drogue, de la cocaïne. Donc on a cherché sa date de libération. On l'attendait juste devant la prison à sa sortie. On était dans la voiture, il a baissé la vitre et a dit « Leah ?» Elle l'a regardé, elle a répondu « Oui ». Vous vous souvenez de moi ? Elle l'a regardé et elle a fait « Oui, Paul Carey ». Il a répondu « On vous dépose quelque part ?» Elle « Ouais, d'accord, je veux bien ». I'm sitting with Leah Johnson and Christopher Hayes. Paul travaillait là-dessus depuis 32 ou 33 ans. And the conversation is regarding testimony she gave in 1980 or 81 regarding the Karen Marsden murder case, which resulted in a life sentence for Carl Drew. Ça me donne des frissons d'entendre sa voix. Go ahead, Chris, you ask the question. Okay, Leah, now he gave you a ring. Now, was that a real diamond ring? Maybe it wasn't a real diamond, I don't know. You know. Did he say it was Karen's ring? No, he did not. Leah Johnson a dit, oh, yeah, vous savez, you know, toute cette histoire de bagues, c'est des conneries. If I said in court it wasn't true, I was under pressure, big time. They wanted me to go to Vicksburg, go on trial, and I kept on saying no, and I was running from them when I was working out down by the pier, you know. So after they caught me, they pinned me in. Un témoignage doit être volontaire.
Un procureur peut toujours décider de ne pas condamner une personne pour un crime et de lui offrir une immunité parce qu'elle a témoigné contre quelqu'un d'autre. Mais dire à quelqu'un que vous n'allez pas l'envoyer en prison s'il témoigne pour vous, c'est fondamentalement coercitif. And what they say would happen to you? I would do a vid. I would do a serious vid. Who told you that? Anyone in particular? Or? No, I'm not elaborating on that. Just take my word for it. It was a choice between me or Carl. You say it definitely wasn't truly at it. It was then. They boxed me in, so you know, I couldn't get away, and that's when they brought me to see. The head, the girl's head smashed in and... Oh, they actually showed you that? Yeah, so many things. Before you went to court or anything? Yeah. Oh my God. And what did they tell you? How it happened? They said, this is what your boyfriend did. Oh my God. They said that to you? Yes, they did. They were very arrogant and adamant about trying to put this on Carl. So would you say that they were coaching you and what to say? Yes, I would say that. Elle a signé une déclaration sous serment, elle était enregistrée, elle est revenue sur son témoignage en sachant que ça pourrait lui valoir des problèmes. Il y avait très peu de chances qu'il retrouve ces personnes, et encore moins qu'elles soient encore cohérentes, et encore moins qu'elles aient envie de témoigner. On a localisé Carol Fletcher. Elle était dans un refuge à Baltimore, dans le Maryland. Paul et moi, on s'est mis en route très tôt, vers 4h du matin. On est arrivé là-bas vers midi, je crois. Et une fois sur place, j'ai demandé à voir Carol. Elle est très fragile, à bout de nerfs. Elle est super anxieuse, elle prend des tas de médicaments. Il suffit de s'asseoir et d'écouter l'entretien pour s'en rendre compte. Je m'en souviens quand j'entends cet enregistrement. I remember Robin telling her things that Carl Drew will do this or do that. She started bringing those places and telling us that that's where Carl Drew was going to kill us at. So she really had she really put you in fear of Carl Drew. Right. Ce qu'elle nous dit, c'est qu'il n'était pas présent. Now you were never a Carl Drew fan, so you have no reason to tell me a story that he wasn't there. But the only reason you're telling me is because he wasn't there, I assume. I really didn't know Carl Drew from Adam, other than from what I heard from people. C'était long. Il nous a fallu du temps pour qu'elle accepte de s'ouvrir. Et après beaucoup de tasses de café, beaucoup de donuts. I know there is Carol. It's a bitch trying to think of it all. I hate to even be asking you about it, but it's so important that all these things come to light now that we're finding out that we didn't know before. Carol a fini par craquer. Broke. You were driving around. Carol, on February the 8th, around whatever time it was? Yeah, 7:38, somewhere around there. A little while later, I ran into Karen right around the hub, and she got in the car. Did she go anywhere then, or did she just... We drove around at least a couple of times, talking. We stopped and got some beer, cigarettes. Karen, she admitted that she was there at Dorian Levesque's killing. She said that to you? Yeah, she said that she was there. They made her go. She didn't say who it was? No. Or who was there? No. She said, you know, if anything happens to me, please don't let it happen to JJ. She didn't know who to trust anymore. She was like... She told you that? Yeah. And then a trick pulled up on the side, car pulled up on the side. And he said... What kind of car was it? It was a green Duster. A green Duster, yeah. And the car pulled up on the side, asked her how much. She said, 35. He said, okay. So she got out of the car, got in the guy's car, and left.
And then what did you do? Then I rode around a little bit, and then I went to Hawk Terrace because I figured that she'd probably go down there looking for Robin. So I went down there, and they were standing outside. They looked at a blue car, and they were standing outside arguing in front. Elle a dit, voilà ce qui s'est passé. Karen est allée de force sur le toit de Harbor Terrace. Carl n'était même pas là. Mais il ne s'est rien passé dans les bois, c'était sur le toit de Harbor Terrace. Ça nous a scotché. On ne savait rien. How was Karen? Was she in? She was crying. Robin a sorti un couteau et l'a attrapé par les cheveux. You don't know whether she was killed, but you saw what you saw on your left, on the roof. You saw her pulling the hair out. Pulling her hair out, and I saw the knife. And the knife, and you left. I'm not sure if she had killed her or just hurt her. I wasn't sure. La révélation que Carol a faite et que personne n'avait jamais entendue avant, c'est qu'elle a vu Robin Murphy tuer Karen Marsden. Ou elle était juste à côté quand c'est arrivé. C'est Robin Murphy qui a tué Karen Marsden. Le bureau du procureur a commis une erreur. On avait finalement une preuve crédible que Murphy avait tué Marsden sans que Carol Drew soit présent. Elle a été plus forte que la police de Fall River. Elle s'en est tirée en toute impunité, et ensuite elle est passée au-dessus d'eux pour aller voir directement le procureur. C'est ce que je dis depuis le début. Honte à la police de Fall River, à la police d'État et au bureau du procureur du comté de Bristol. Ils se sont tous fait manipuler par cette fille. Robin a orchestré tout ça. C'était clairement le cerveau dans cette affaire. À 17 ans, elle a réussi à convaincre le procureur et le tribunal que Carl allait la tuer et que sa seule option était de témoigner contre lui pour ce qu'il avait fait. Il faut quand même saluer Robin Murphy. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est bien plus intelligente que tous ceux impliqués dans cette affaire. First, from parents and those who are here to speak in support of your release on parole, and then next, hear from those people who are here to speak in opposition to your release on parole. J'ai déposé une requête pour un nouveau procès en septembre 2003, mais en mai 2004, Robin Murphy s'est présenté pour sa libération conditionnelle. L'inspecteur Paul Carey n'avait jamais pensé que ce serait bénéfique de parler avec Robin. C'est une manipulatrice. Elle avait demandé sa libération conditionnelle, donc elle n'allait pas se dénoncer. Robin Murphy les a manipulés. C'est elle qui a commis ces crimes. So you lied on the stand. He's running McCall from that, right? Yes. Robin Murphy s'est présentée devant le comité de probation et il leur a avoué qu'elle avait menti. She had lied. Et elle a aussi nié avoir tué qui que ce soit. C'était une audience très inquiétante. Un membre du comité de probation lui a dit, « Attendez, qu'on soit clair. Vous dites que vous avez menti et vous n'avez aucun remords. » Elle a inventé toute cette histoire sur Carl. Miss Murphy, you gave the police statements that after Miss Marsden was dead, that you performed oral sex on her, that you cut off her head and that Mr. Drew kicked it around. Why would you implicate yourself as such unhuman, if that's the right word, behavior
Tout ça, c'était n'importe quoi. N'importe quoi. Si Carl avait eu l'occasion de témoigner contre Robin, je pense qu'il l'aurait fait. Il aurait pu. Mais on ne lui a pas fait la même proposition. Part of the reason I'm looking for a release is I've done 24 years. Incarcerated. My record does not reflect violence. My record reflects everything that shows I'm rehabilitated. Après avoir entendu son témoignage, le comité de probation lui a accordé sa libération conditionnelle. Ils lui ont fait suffisamment confiance pour la libérer alors qu'elle a plaidé coupable. Elle a eu le comité de probation en leur disant « J'ai changé, je serai une fille bien, je vous le promets ». Et elle a réussi à sortir alors qu'ils savaient qu'elle avait changé son histoire. J'ai essayé de parler à Robin, je suis allée chez elle. J'ai contacté son avocate. Elle a catégoriquement refusé de me parler. Je crois que je l'ai eu au téléphone une fois. Elle m'a traitée de menteuse. Elle n'a pas raconté son histoire. C'est étrange, j'ai perdu la trace de Robin Murphy peu de temps après sa sortie de prison. Et j'espérais vraiment qu'elle y retourne. Robin a obtenu sa libération conditionnelle et elle est sortie au début des années 2000. Elle est restée en liberté pendant 7 ans, jusqu'en 2011. Elle a commencé une relation avec un autre criminel. Et malheureusement, c'était une violation des conditions de sa liberté. Miss Murphy, you pled guilty and you were committed on a second degree life sentence as a result of your plea. Yes, sir. Since that time, you were paroled in 2004, correct? Yes, sir. You're now back on a revocation? Yes, sir. Of that parole? Yes, sir. Okay. My regret in all that is no one will ever find out what really happened. Because what I said has now become what happened. So the real story will really never come out. Bonjour, ceci est un appel en PCV. Je ne sais pas à quel point ces conversations seront personnelles. Ça va dépendre de qui sera là et de qui pourra écouter ce que je dis. Je suis prête à parler, mais il y a des choses vraiment personnelles. Les gens ne savent pas grand-chose sur moi. Vous sentez comment? Épuisé. Vraiment? Oui. Vous avez plein d'éléments différents, mais on dirait que personne d'autre n'avait jamais essayé de faire le lien entre tout ça. C'est juste incroyable. C'est dingue. J'ai essayé de nombreuses fois de dire la vérité. Tout le monde s'en fichait. J'aimerais que les gens sachent ce qui s'est vraiment passé.